Aujourd'hui, au sujet de cette vidéo, on va toujours parler de sneakers, hein, car c'est la base, mine de rien. Je vous avais déjà teasé dans une vidéo, justement, où j'utilisais du Jason Mark, le fait que j'avais envie d'envoyer ma paire à une entreprise qui s'appelle Caméléon. Donc, je suis allé sur leur site et j'ai choisi une petite offre pour nettoyer ma paire. Bon, voilà, je l'ai bien sali exprès pour que, justement, ils puissent me montrer ce qu'ils savent faire et comment ils peuvent... nettoyer une paire, hein, j'ai un petit peu forcé sur le truc, même si c'est une paire que j'aime énormément, donc j'espère qu'ils vont réussir à me la récupérer, car voilà, hein, c'est une paire que j'ai acheté en 2014, en mai 2014 pour être exact, donc une paire qui a bientôt 6 ans, mais que je, voilà, auquel je tiens comme la prunelle de mes yeux. C'est une paire de Jordan 11 Low Concorde qui était justement sortie avant l'été 2014. C'est une paire bien blanche avec le sol bien ice, vous savez, le bleu clair un peu transparent que j'apprécie énormément. Je l'ai sur plusieurs paires à moi et c'était une paire vraiment qui sent l'été, une paire blanche bien fraîche que j'ai saignée pendant mon été 2014. Et donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de la faire nettoyer, surtout parce que justement le outsole jaunit avec le temps, donc je vais voir un peu ce qu'ils peuvent faire là-dessus. Pendant la période des soldes, ils ont fait profiter d'une offre assez spéciale. C'est une offre hiver, un nettoyage classique, un nettoyage des lacets, un nettoyage de l'outsole. Donc moi je me suis laissé tenter, l'offre était pas chère, c'était une belle promo, donc je vais leur envoyer ma paire. Je vais vous présenter aussi les différentes je vais vous laisser là justement la grille des différentes offres qu'ils proposent. Donc moi ce que je dois faire, c'est que je dois aller sur leur site, là je vais aller prendre ma petite offre et puis après je dois aller déposer ça dans un relais colis, il me semble. Donc je vais vous filmer un petit peu tout ça, là je vais aller sur le site, prendre la petite offre tranquille et puis après on va aller déposer le colis à la poste. C'est parti. Les amis, du coup on se retrouve dans ma caisse là, donc je vais aller déposer tout simplement le colis chez le point relais que j'ai choisi avant quand j'ai passé la commande. Donc en fait quand vous passez la commande, vous recevez un bon, enfin à mettre justement sur le colis. Moi j'avais gardé un colis d'une paire de Nike que j'avais acheté, du coup j'ai mis ma paire dedans et là du coup bah on va l'envoyer au gars de Caméléon. C'est parti. Les amis, on se retrouve maintenant presque 2 semaines après justement que j'ai envoyé ce colis. Je l'ai envoyé le mardi 11 février. Et là, aujourd'hui, on se retrouve pour tourner la suite. Du coup, c'est un peu un unboxing, hein, tant qu'à faire. Donc, c'est la suite, justement. On se retrouve, on est le 1er mars. Je suis allé récupérer le colis hier, samedi 29. Donc, du coup, comptez un peu plus de 2 semaines pour pouvoir récupérer votre paire. Au final, le plus long, c'est pas leur prestation. C'est vraiment le fait que ce soit par relais colis. Parce que franchement, je leur ai envoyé la paire le mardi 11. Ils ont dû recevoir au moins une semaine après facile. Et une fois qu'ils ont eu la paire, ils ont fait ça en quelques jours en fonction de leur charge de travail, vous voyez bien. Alors, on va faire gaffe à ne pas se couper. Et bien, on va redécouvrir ma paire. Voilà, je vous avais laissé avec des rushs bien sales de la paire, justement. J'avais forcé pour la salir, donc j'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça a donné. Hop là, alors... un petit mot. Si vous êtes satisfait et que vous tenez à soutenir notre petite start-up, vous pouvez laisser un avis sur notre page Facebook. Ouais, tout ça, de toute façon, tous les liens sont dans la description, donc je vous invite à foncer dessus. Donc là, voilà. Elles sont neuf limite. C'est du beau taf. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. Vu de là où est-ce qu'on partait et où est-ce qu'on est là aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais j'ai trouvé exceptionnel. Enfin, c'est une Concorde, c'est un modèle vraiment... iconique de la marque Jordan. Mais ouais, franchement, je trouve qu'ils ont réalisé un très beau taf sur la paire pour le coup. Vous me direz un peu ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à leur passer commande. Moi, je suis grave satisfait, elle est grave propre. Je vais la laisser un peu de côté, là, on est au mois de mars, il va pleuvoir quasiment tout le mois. Je vais attendre les beaux rayons de soleil fin avril, début mai pour pouvoir la rocker cette paire-là avec des petites tenues. Oh putain, j'avais pas vu, ils avaient mis des petits trucs autour dedans. Un petit sticker Caméléon. Ah, la petite carte de visite Caméléon. Merci de Guillaume, mon gars Guillaume. Ouais, parce que moi je vous disais, hein, c'est une start-up, c'est des potes à moi. Tain, ça c'est cool, un kick-chain de toute façon. C'est des potes à moi qui ont créé cette marque, une petite start-up. Donc je vous encourage à leur donner la force tout simplement parce que c'est cool. C'est le genre de projet d'entrepreneuriat, tout ça. Et puis bon, ça permet de restaurer des petites paires et tout pour pouvoir les rocker pour les beaux jours, c'est nickel. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus les amis. Tous les liens sont dans la description. Si vous avez kiffé ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!
Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un lieu complètement atypique puisque je suis en vacances au lac d'Annecy. Donc on se retrouve dans un cadre complètement différent. Et beaucoup de mois plus tard, je viens de revoir justement les rushs. Et il s'avère que j'avais tourné la vidéo en mars et je vous ai pas donné de nouvelles depuis. Et j'ai même pas fini le montage depuis tout ce temps-là, malgré le confinement, tout ça. Je vous explique pourquoi. En fait, si vous voulez, lors du premier envoi de Caméléon, j'ai été un petit peu déçu parce que je pensais que la semelle allait être blanchie, qu'elle allait retrouver un peu ce ton un peu ice. Il s'avère qu'en fait, c'était pas le cas parce que j'avais pas pris tout simplement l'option qui faisait que le blanchiment de la semelle aurait été fait. Donc j'ai recontacté Caméléon, enfin c'est mes amis, je les ai recontactés. Et au mois de juillet, j'ai eu l'occasion d'aller en région parisienne. Donc j'ai directement déposé la boîte de ma paire à un des membres de Caméléon qui a nettoyé cette paire-là. Et depuis, j'ai pas pris le temps justement de tourner la suite de la vidéo. Donc là, je le fais maintenant. Et je vous montre la différence qu'il y a avec la paire avant et après. Et au niveau de la semelle, voilà, le blanchiment est beaucoup plus flagrant qu'avant, étant donné qu'il n'avait pas touché à la semelle. Là, voilà, on retrouve, c'est toujours un petit peu jauni, mais c'est beaucoup plus blanc que ce que j'avais avant. Je pense pas qu'on pourra retrouver la couleur vraiment ice. En fait, si vous voulez, ils utilisent un procédé avec des lampes UV pour enlever l'oxydation dans la semelle. Donc voilà pour ce qui est de la paire. Donc aujourd'hui, je vais vous tourner le live de Street Style. Encore une fois, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Il y a d'autres vidéos unboxing qui arrivent. J'ai reçu beaucoup de paires car mon anniversaire est passé. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Thank you.